venant du PAC où il s'est imposé comme l'un des meilleurs distributeurs, récupérateurs du football national. Dégagement de Kial. Celui-là, on lui doit vraiment, je dirais presque une statue, tellement il a été très généreux dans l'effort avec le Cap Bonne-Voie-les-Liges. Et il reste toujours, du haut de ses 34 ans, l'un des keepers les plus constants du football national. Tentative de débordement de la part de Akouche. L'enfant de Akbou a fait quelques apparitions avec la JSM Béjaïa, Yassine Akouche. Et puis il s'est retrouvé ici avec le MC Saïda. Il faut savoir que les entraîneurs qui exercent dans l'Est ont un regard beaucoup plus permanent, constant, plus attentionné, ce regard sur les joueurs qui ne sont pas arrivés à se frayer une place parmi les gros cylindrés, mais qui récupèrent, comme ici pour Akouche, et pour leur donner une chance dans un club de Ligue 1. L'équipe de Saïda essaye de trouver la faille, mais réellement, l'ASO Chlev est très très bien nous organisé avec un premier rempart constitué de Rabi et du numéro 11 Abslam, vous le connaissez aussi, et un deuxième rempart constitué de Zazou, qui lui est arrière latéral avancé, vous allez le voir tout à l'heure, Zazou avec Zewi, et puis Meldouli et Senoussi complètent cette défense. Alors voici Mazian Eril, né en 1950, entraîneur de l'équipe nationale dans les années 90, avec un succès face au grand Ghana de l'époque avec Abedi Pelé notamment, c'était à Tlemcen. Et puis c'est un fils de Hissende avec qui il a toujours travaillé, joueur, entraîneur, président. Et le ballon maintenant adressé cette fois-ci par Al-Hajari à partir de la droite dépasse la barre transversale pour le compte du gardien de but Ralm. Ralem Mohand, né en 1977, anciennement Abida bien entendu. Regardez comment le souci de la perfection au milieu du terrain habite les coéquipiers de Mohamed Massaoudi. Un bon centre sur le point de pénalty, une remise qui n'aboutit pas. Mohamed Massaoud pour Djediat qui se laisse affaler sur le gazon. Alors que va décider l'arbitre? On regarde avec Hossein, notre réalisateur, cette séquence. Ah oui, il s'est jeté. Normalement, c'est le carton jaune pour la simulation. Affirmatif, il a bien vu. À Betchalef, il y avait une simulation. Nous avons donc le confort de la répétition. Et ça nous permet donc de juger en toute objectivité. On regarde encore avec un plan encore plus serré, Hossein Ben Atta. C'est très très bien fait. Et donc il y avait vraiment l'heure de se jeter dans les 16,50 m. Et Abdelchalef n'est pas un arbitre à se laisser compter. On va bientôt aborder le premier quart d'heure. Le score, vous le suivez en même temps que nous. Mais je suppose qu'il va rester longtemps à ce stade vierge avant que l'une ou l'autre des deux formations ne trouve la meilleure solution de percer ces deux défenses, notamment celle de l'ASO qui joue à l'aise comme si elle opérait dans le stade Boumazaleg, son jardin de Chlef. Un bon ballon depuis le rond central signé Madouni. Dégagement de l'arrière latéral Zazou. L'enfant de Sidi Belabès, lui alors, il a bourlingué hein, dans sa carrière. Yassam Annaba, Sierra Belouizded. Un bon centre. Personne à la réception. Sinon, on va retrouver Chalatia, le Akouche. Il est très bon dans les appels de balles. Regardez ce centre instantané sur le
point de pénalty, mais on aura apprécié quand même l'anticipation de la défense de l'AS Auchlef. Ils étaient trois à reprendre très à l'aise ce joli centre de Yacine Akouch. On le revoit ici remettre le ballon en arrière pour Ben Dahmen. Ah, ça va un peu mieux du côté de Saïda avec ce contre de Sali qui n'aboutit pas. Un ballon qui s'en va seul sans que personne ne le convoite avant que Soudani Ali Delhilel Ali Soudani ne tente un sprint, une accélération. C'était trop tard. Mohamed Masoudi, toujours aussi précieux et très peu de ballons approximatifs ou perdus. On va le voir autour de ce match. Mais surtout, la curiosité réside dans la formation de Saïda. Que pèse-t-elle exactement? Elle est deuxième, elle était leader. Ça fait à peine une dizaine de journées. Personne ne l'attendait à ce diapason. Eh bien, l'équipe de Saïda, qui n'est pas un ballon. Oh là là, la toile de Ralem qui aurait pu faire mal. Le deuxième corner dans cette première mi-temps de l'AS Auchlef. Oh, c'était bien fait aussi. Ah là, ça barde pour la formation de l'AS Auchlef. On joue beaucoup plus instantané. Regardez ce centre et cette tête. Je crois que c'est même Mesoudi Mohamed qui a failli tromper son gardien de but. Ralem Mohand, troisième corner, un centre en cordeau, tentative, ce qu'on appelait dans les années précédentes un coup de ciseau. Et c'était signé de Mebarakou. Premier quart d'heure est consommé, le score n'évolue pas. Et l'équipe de Saïda, par contre, elle était en train d'évoluer dans le bon sens. Vraiment, ça promet peut-être une suite un peu plus spectaculaire, quoique le jeu est d'un niveau très moyen. Mais les enchaînements, la recherche de l'attaque par des mouvements collectifs font que ce n'est pas quand même très ennuyeux. Mais le niveau reste très très moyen, il n'y a pas d'éclaircie, il n'y a pas ce football lyrique qui sied aux grandes équipes, mais on ne va pas leur demander beaucoup quand même, puisque il y a le caractère derby qui préside à cette rencontre, et c'est Nehri sur la touche, renvoyé par la défense, récupération de Badiamel qui tire, il sait le faire aussi. Le ballon passe nettement à côté, je vous ai dit, plus de 12 000 spectateurs. Une bonne chambrée vient de Schleff avec beaucoup d'animation en début, en fin de matinée dans la ville des Eaux. Et pour l'instant, il y a du fair play et une ambiance bon enfant, alors que Tawfiq Louabach est en train de réorganiser ses hommes. C'est l'un des plus jeunes entraîneurs en exercice dans ces ligues 1 professionnel de Najma. Encore un centre de El Hajjali. Il n'avait pas bien suivi Yacine Akouch. Il aurait pu s'enfoncer. En tous les cas, Ralem Mohand, le gardien, a renvoyé. Pas de relance de la main pour Ralem. Il n'y avait certainement personne à qui transmettre le ballon. Snoussi, toujours très véloce. Il a de l'expérience, ce garçon. Snoussi qui a commencer à taper du ballon très très tôt. Un défenseur, Zian Stoussi, qui a d'ailleurs joué ici au Mouloudia Club de Saïda, c'est vrai, et qui s'est fait connaître aussi avant. Trop de monde dans la défense. Jeu très compact au milieu du terrain. C'est un vrai duel de titans au milieu du terrain qui va l'emporter. Saïda, pour l'instant,
est en train de prouver que c'est une équipe solide, bien organisée, mais qui manque peut-être de jus. Eh bien oui, c'est ce qu'il fallait, ne pas laisser faire pour Mesroud. Il a l'art de recevoir un ballon, de pivoter, et on revoit ça avec plaisir. Il a pivoté, il n'était pas marqué aussi. Il avait un relâchement entre Ben Dahmen et Mebarakou. Et le résultat est là. Il aurait pu même marquer. Le ballon est sorti en corner. C'est le troisième corner pour l'ASO Schleff. Le deuxième corner pour l'ASO Schleff. Léger pressing de l'ASO Schleff avec quelques soupapes de décompression de la part de Saïda. Ah bon, Schleff a fait main basse sur sa moitié du terrain, mais ce n'est pas encore le moment de déclarer que Schleff est supérieur, loin de là. Saïdi, un joueur aussi qui sait manier le ballon.